Bienvenue pour ce nouveau stream sur du shmup. Ah, tu entends la bande son. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce donc? Un jeu vidéo? Une torture moderne? La musique du futur? Eh bien, il faut que tu saches que c'est tout simplement la musique de ce jeu, Exed Exes, qui d'ailleurs, on peut souligner, est basée sur une faute de frappe, hein, parce qu'à la base, c'était Exed Eyes. Mais bon. Seul le connoisseur reconnaîtra cette finesse qui a produit cet égarement. Et donc ce soir, on va se streamer ce petit shmup qui, pour 85, était rudement évolué. Alors, vous allez me dire, ouais, tu te fous pas un peu de nos pommes, de nos poires, de nos fraises et autres fruits et légumes qu'on consomme par 5 chaque jour? Et là, je dis non, pas du tout, parce que regardez la date, 1985, on a un truc qui vous balance quand même noir de sprite à l'écran sur des machines qui à l'époque sont donc en 8 bits. Il y a de la couleur, pas des masses, mais assez pour être géré correctement. Les graphismes, je suis désolé, on pouvait difficilement faire mieux pour l'époque. Donc, moi, pour l'instant, je trouve que l'emballage est assez appétissant. A voir s'il est jouable, ça c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Mon, passe-moi ton porte-monnaie! Alors je tiens à prévenir qu'il y a un défaut, moi que j'ai un peu de mal à supporter dans le jeu, c'est sa bande son justement, parce que c'est rigolo au début, mais il y a un moment où vous allez comprendre que... Le moment too much. Alors, ça se voit pas vraiment à l'écran, pardon. Oh là là. Ça se voit pas vraiment à l'écran, mais il y a déjà des ralentissements là. Moi, je pense que bon, ça devait être encore du Z80 hein, qui tournait ça, comme dans toutes les bornes de l'époque. Et je pense que le pros, il devait carburer à donf, quoi. Genre, c'était pas des gigahertz. Ça devait peut-être friser, je sais pas. Le mégahertz, avec un peu de chance, on sait rien. Et donc, la machine se sortait les doigts du nez, la narine gauche, pour être précis d'ailleurs. J'essaie de m'appliquer, hein, parce que je ne sais pas si je remets vachement loin en arrière, et ce serait Ballot qui me... Allô, Houston? Houston, je ne vous reçois plus. J'ai perdu le contrôle de l'appareil alors que j'étais en train de parler au personnel de bord. Diable, ça va sentir le drame, ça va encore sentir le drame. Mais c'est quoi cette super bombe qui fait bzz et que dalle? Pile dans la zone de bonus. Oh oui, je veux continuer. Faut faire quoi? Ah oui, faut juste. Ok. C'est marrant ça. Eh ben très franchement, à 2 ans près, à choisir entre Xevious que je vous ai streamé juste avant et. Et ça, il n'y a pas photo, quoi. Là, au moins, il y a un petit challenge. Il y a une ergonomie tout à fait potable. Pour l'instant, les seules conneries qui sont arrivées étaient uniquement dues à mon fait, et pas juste parce que le jeu est programmé avec les pieds. Loin de là. On se demande si le machin, c'est... Ouais, c'est... C'est les gars qui savaient programmer en assembleur à l'époque, quoi. Hein, pas comme ces espèces de programmeurs laxistes qui maintenant utilisent tous des scripts, tous préfaits, sur des machines qui n'existent même pas en fait. Oh là là. Oh, c'était petit quart d'heure médisant, ça fait toujours du bien dans un stream. Oh, ils me disent quelque chose, ces sprites. Je les ai vus dans un autre jeu. Ils me disent quelque chose. Je les ai vus dans un autre jeu. Faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Ces sprites. Waouh, mais c'est le boss de fin de niveau. Hey, hey, mais ce jeu. Alors, faut que je regarde comment a été inventé le boss de fin de niveau. Parce que ça a l'air tout con comme ça, mais. Je crois que c'est le Phoenix qui a inventé le boss de fin de niveau. Donc, ça doit faire du 79. Mais bon, on n'en a pas trop revu des masses dans les jeux. Parce que quand les gars déjà devaient faire des jeux à scrolling comme ça, ils étaient dégoûtés de devoir startiner l'intégralité du décor sans que ça se voit trop que c'est des répétitions.
Mais du coup, celui-là est vraiment sympa. Je valide ce. Je le valide. Je vois mal cette Rome être cantonnée à la collection privée d'un maniaque collectionneur. J'invite tout le monde à l'essayer. Parce que le pépère, 85, donc ça nous fait 35 ans après quasiment. Il est toujours jouable! Il est toujours jouable ce compte-jeu! Eh oui, je sais. Mais là, faut que je rappelle ma mère parce que j'ai plus de mon nez. Donc, ce Exodize, il est validé. Hein. Validé de chez validé. En plus, là, ça commence à devenir un peu corsé. C'est sympa. Parce que le vaisseau, le petit défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas super vif, le pépère. Et donc, il va vous mettre dans l'embarras plus d'une fois. Parce qu'il y aura des petits dilemmes sur les directions à choisir. Sachant que les tourelles au sol, en plus, si vous passez dessus, vous crevez. Evie, Evie! Eh oui, non, ça devait arriver, ça. Bon, ce BO, hein, qui forcément, au bout d'un moment, vous imaginez, s'il y a, je ne sais pas s'il y a eu une version console du 8-bit de salon de l'époque, mais vous deviez imaginer la gueule des parents dans la cuisine quand ils entendaient résonner cette musique en permanence pendant près de trois quarts d'heure. Ce après quoi ils ressortaient la sempiternelle phrase « On va arrêter là parce que ça abîme la télé !» Parce que, à l'époque, des télé à tubes, la grosse excuse pour pas que les mômes jouent aux jeux vidéo, c'était quand même « ça esquinte la télé !» Et oui, un truc qui est fait pour afficher Roger Gickel, tu vas pas l'abîmer quand même en mettant une saloperie d'images de jeux vidéo, qu'en plus c'est un truc, c'est même pas du vrai, ça n'existe même pas! Et oui! Putain, mais elle est pourrie ma mégabombe! C'est incroyable! Donc voilà. Ouais, je ne continue pas. Vous aurez la surprise si vous l'essayez. Exode Exes ou Exode Eyes, au choix. De toute façon, vous le trouverez sous les données nominations, il me semble, si je dis pas de grosses âneries. Eh ben, c'était un joyeux stream découverte pour compléter cette belle collection de shmup. Ah oui, amour, amour. Vous pouvez même changer la couleur. Il est fantastique ce jeu. Exode Exes. Je vous fais des petits bisous. Je vous laisse sur la musique. Je pense que vous l'adorez autant que moi. Allez, à tout ciao pour un nouveau stream.